Hey, salut à tous les amis. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 de ce Skyblock. Donc voilà, là on doit upgrade l'île du coup qui est là. Donc c'est parti. Donc il faut 30, donc on les a. La prochaine amélioration, il faut 7 pierres. Donc très bien. Donc il faut aller farmer de la pierre. Donc c'est parti, la petite hache des familles, enfin hache pioche pardon. Donc vous voyez là on a le téléporte au blacksmith. Donc en fait en fonction de l'île, c'est mis bah, l'endroit en gros, où, bah, par exemple, la pierre, on la vend au blacksmith. Donc, en gros, bah, on a la téléportation au blacksmith. Donc, je trouve ça très, très bien. Ils ont organisé les choses de façon très, très bien sur le jeu. Donc, voilà. Là, on a la première roche dans l'inventaire. Donc, on va en avoir une deuxième. En vrai, on va farmer de l'argent en attendant. Parce que c'est vraiment ça qui nous manquera à un moment donné. Donc, on va essayer de prendre l'avance directe. Vous voyez, là-bas, il y en a un qui a déjà la cabane dans les arbres. Donc il est quand même bien avancé celui-là. On va pas se mentir. Donc il faut qu'on prenne la hache si on veut couper du bois. Ah, attendez, les poulets ont fini de manger. Donc on va leur remettre à manger. Et on va les récupérer tout simplement les œufs. Donc on est toujours à 16 au niveau stockage dans l'inventaire. On va aller casser un tout petit peu d'arbres avant d'aller tout simplement vendre tout ça. Donc c'est parti. Et comme ça, on aura un petit peu d'avance. Et notre arbre qui a fait du caca, on est ravis. Donc à mon avis, quand je recassais ça, voilà, il va tomber dans le vide, je m'en doutais. Ouais, bon, les pousses, on s'en fiche qu'elles soient dans le coffre parce qu'en vrai, on en a plein. Donc ça nous sert à que dalle pour le moment. On a plus de pousses que nécessaire. Et l'arbre qui va encore se casser la figure, ça va me faire très très plaisir. On aura encore perdu un bois, donc ça fait plaisir à mort, je vous le dis. Hop. On va pas les mettre aussi près. Je m'entête toujours à les mettre aussi près. Et du coup, bah, je rentabilise beaucoup moins mon travail. Donc, ce qui est dommage. Allez, c'est parti. Donc, il y a pas mal d'œufs encore. Mais je veux ramasser le max de bois, vous voyez, avant de d'aller vendre. Et aussi le max de blé. Tant qu'à faire comme ça, bah, on rapporte beaucoup d'argent. Hop, c'est parti. Donc, il y en a encore un à casser. Et l'autre, on le cassera après, quand on aura tout vendu. Alors, je sais. Il va m'énerver avec son message. Hein. On a compris. Ah, du coup, le bout de bois, il atterrit pas. Là, j'adore ce jeu. Bah. J'ai du shift. Ah oui, j'ai appuyé sur un de mes chiffres. Ok. Hello, fais de la merdouille. Ça fait plaisir. Hop, on ramasse tout ça. Ah, bah, je suis déjà au max. Donc, ça sert à rien de faire plus. C'est ça que je fais pas attention, vous voyez. Si vraiment vous voulez rentabiliser, faites attention à vos chiffres. Parce que du coup, moi, je rentabilise pas parce que bah, des fois, je récolte alors que bah, je peux plus, quoi. Hop, donc le bakery. Je sais pas comment ça se dit en anglais, mais c'est pas grave. Vous aurez compris le délire, je pense. Donc, hop, c'est parti. On va aller vendre le bois en face. Et on va rentrer à la maison. Hop, c'est parti. Donc nous on est de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est notre île. Allez, c'est parti. Alors, donc j'espère que ça vous aura plu, parce qu'en vrai je tourne le deuxième épisode dans la foulée. Parce que j'avais vraiment envie d'avancer un peu sur ce gameplay, j'aime beaucoup. Alors, on va aller ramasser directement la petite pierre des familles qui a dû spawn. Parce qu'en gros, ça fait un peu comme sur Minecraft, où en gros, dès que la lave est en contact avec de l'eau, ça crée de la roche. Et c'est vraiment cool de voir qu'ils se sont vraiment inspirés de ça en fait pour créer le jeu. Je trouve ça vraiment top. Donc je crois qu'il nous en faut 6. Non, 7 je crois. 7 pour ici et 6 pour acheter l'autre île. Bon bah écoutez, on va laisser la cobble revenir. On va aller ramasser les œufs. Histoire de pas rester à rien faire. Donc vous voyez, on a déjà 800. Mais en vrai, ça va partir très très vite quand il y aura des améliorations à faire. Donc il faut pas s'arrêter quoi. On va dire. Donc on ramasse les œufs, on va aller ramasser le blé également, histoire de pouvoir remplir les mangeoires. Tac. Alors ça c'est parti. Le premier épisode aura duré assez longtemps, donc je vais essayer de le faire plus court celui-là. Mais c'est vrai que bah, quand on est sur un jeu comme ça, on a envie d'avancer quoi. Enfin perso, moi j'ai envie d'avancer quand je suis sur un jeu de ce style quoi. Hop, on ramasse un peu tout ça. On va replanter ça. Hop. Allez, plante-toi, bon sang.
là, allez! Ah, je suis à la limite. Alors, si je dis allez alors que je suis à la limite, c'est de ma faute là. Hello, hello, tu es un peu nul des fois. Alors, c'est parti. On va aller ramasser la roche qui a dû pousser. Un pousser. Apparaître plutôt, on va dire, parce que je vois mal de la roche pousser. Mais bon. Hop! Allez, on ramasse ça. Donc, vous voyez, c'est assez long. Mais dès que. Dès qu'on s'améliorera, vous verrez, ça ira un peu plus vite. Alors. Des fois, vous voyez, ça bugouille un peu. Donc, faut pas hésiter à reculer et à revenir. Je sais pas pourquoi. Ça bug, tout simplement. Hop, il y a déjà des œufs qui sont apparus. Donc, on va aller les chercher direct. Parce que c'est ce qui nous rapporte le plus. Allez, allez. Alors, voilà. Donc, ça, c'est parti. Ça c'est fait. Allez, on va voir si la roche est apparue. Donc je vais vraiment upgrade cette île. Débloquer l'autre probablement. Et l'avancer un petit peu et on s'arrêtera. C'est vrai que le premier épisode, bah, je vous ai un peu présenté les trucs. Donc c'est vrai que ça dure un peu plus longtemps. Mais je pense que ça devrait aller. Ah, j'ai pas remis mon son par contre. J'ai testé le volume du son pour voir si ça allait sur les records et j'ai pas remis le son. Autant pour moi. Alors. Avec la petite musique, c'est quand même plus agréable, vous trouvez pas? Hop là! Donc ça, c'est parti. On a assez. Alors, on va aller upgrade l'île. C'est parti! Donc, on peut encore l'améliorer avec 70. Donc, on les a. C'est plutôt cool. Donc, 10 de bois et 6 de pierre. Ok. Donc, on va aller couper un peu de bois. On va aller voir d'abord si la roche est réapparue. On sait jamais. Hop, et ensuite, il faut qu'on aille récupérer les œufs. Nice, elle est apparue devant nous, vous avez vu comment ça fait? Le petit son qui va bien. J'adore. C'est vraiment cool. Il y a plein de petits détails comme ça, et franchement, c'est agréable. Hop. Allez. Casse plus vite. Donc là, vous voyez, elle est level 3, l'île, et c'est marqué. On n'arrive pas à lire ce qui est écrit en vrai. Ouais. Il va plus vite le générateur. J'ai l'impression que c'est ça en fait. Moins 1,25 fois. Générateur speed. Il est moins rapide. Mais il devrait être plus rapide normalement, non, je sais pas. Ou alors c'est un tiré, c'est pas un moins. Vous me direz ce que vous en dites. Bon, je vous avoue que je suis perplexe. C'est la perplexitude. C'est bon là. Hop, allez, c'est parti. Donc, on a déjà 5. Il nous en faut 6. Donc, on va aller ramasser les œufs. Tranquillou, casser un peu de bois. Et comme ça, on aura la dernière roche qui nous manque. Hop, allez. On va remplir les mangeoires en passage. Et là, comme on voit pas trop ce qui se passe, on casse en même temps les pousses. Ah, ah, hello. T'es full. On va aller vendre. On va aller vendre les œufs qu'on a sur nous. Et le blé. Du coup. Hop, c'est parti. Allez, coco. Donc là, on aura nos morceaux de bois pour pouvoir faire l'upgrade. Enfin, l'achat de l'île plutôt. J'ai beaucoup de mal, hein, décidément. Upgrade, débloquer les îles, je suis vraiment... Wouh! Une calamité ambulante. Voilà, on va aller vendre les œufs et le blé. Sur le reste, on en a besoin. Voilà, comme ça, c'est toujours un peu plus d'argent. Oups, non, je voulais pas rentrer. Mais laissez-moi sortir. Hop, c'est parti. On est par là. Hello, va pas dans le vide, s'il te plaît. Parce que alors là, ça serait le GG. Chose que j'ai déjà faite quand j'ai fait un live sur ce jeu. Alors, on va aller ramasser direct les œufs. Et le reste de blé. Avant d'aller débloquer l'île. Hop. Alors pour plus zoomer bah, la roulette, hein, tout simplement. J'ai oublié de vous le dire au dernier épisode. Hop, c'est parti. On va ramasser le reste de blé. On va tout replanter le blé. Ce sera pas mal. Et on va laisser débloquer cette île. Hop, ça c'est fait. On remet les petites poupousses qui vont bien. Ah, les graines, pardon.
Ça ressemble à des pouces. Il y a un petit problème. Hop. Hop là. On est à la limite. Et on a déjà eu des œufs. Alors, on remet à manger au petit poulet. Vous voyez, ça revient très très vite, hein. Ah, on a 24 max maintenant au niveau stockage, vous avez vu? On a encore upgrade l'île à fond là. Donc c'est pas l'achat de l'île qu'on obtient plus de stockage, c'est quand on l'upgrade à fond. Du coup. Ah, vous voyez, des petites choses auxquelles j'avais pas fait attention la première fois et que là je fais attention. Comme ça, bah, ça vous montre, ça vous explique un peu les choses. C'est pas plus mal. Hop, donc là on va avoir assez du coup de pierres pour pouvoir améliorer, acheter l'île. Donc là vous voyez on a 1000 en cash, donc c'est plutôt cool. Mais plutôt bien. Même si ça va partir très très vite et qu'il faut pas bah faut pas hésiter en gros à faire de l'argent quoi. Ah c'est 10 de bois. Oh, bah, autant pour moi. Alors hello, il faut aller recasser un arbre. On va d'abord ramasser les cocos qui traînent. En plus c'est bientôt. Pâques, c'est bientôt, l'air de rien. Donc, ça va bien dans le thème. Hop. Allez, c'est parti. On s'en casse un dernier, histoire d'avoir assez. Allez, coco! C'est parti. Hop, 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 hop. Bon, en vrai, c'est vrai que je sais pas trop quoi vous raconter. Vous voyez comment je casse du bois, parce que c'est cool de casser du bois, mais voilà, quoi, y a pas... Y a pas grand chose à raconter quoi, on va pas se mentir. Ça me paraît compliqué quoi. Alors, on a 24 œufs. Donc, va falloir y vendre tout ça. On va pas se mentir, il va falloir y vendre tout ça. Hop, alors. Bye. 70 en cash, on les a. 120, on les a. Upgrade. 150, on l'a. Et on l'upgrade au max. Et là, du coup, il nous faut 6 fer et 6 pierres. Donc ça sera l'upgrade de la prochaine fois. Donc là, je vais juste farmer encore un tout petit peu avec vous. Histoire de pouvoir bah, se refaire de l'argent avant d'aller sur l'île. Même si on en a encore. Parce que je vous assure qu'après, il nous en faudra bien plus. Et qu'on sera un petit peu en mode galérien. Donc on va continuer un peu à casser tout ça. Donc la pierre, on va pas la vendre parce qu'on en a besoin. Donc on va la garder. Allez, coco! Donc, c'est parti, ça c'est bon. On va aller ramasser le blé. On va aller renourrir les petits poulets. Et on va vendre tout ça. Hop, hop, hop. Allez! Hello, l'agricultrice. Hop, hop, on remet les graines. C'est parti. Ah, c'est vraiment très 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 reposant comme jeu. Et c'est pour ça que j'ai envie d'avancer dessus parce que je le trouve vraiment. Bah, c'est détente en fait. Pas de pression. Vous voyez, c'est cool. Non, je suis full niveau E. Hello, arrête tes bêtises. La Hello qui dit des trucs et qui ne les fait jamais, qui les fait pas des fois, c'est hallucinant. Je sais pas, mon cerveau fonctionne à moitié déjà. Hop, on a vendu tout ça. On repart à la maison. Donc la maison qui est derrière. Hop là. C'est parti. On continue tout ça. On va aller ramasser les cocos qui sont là. On va aller casser nos premiers morceaux de fer. Pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. Hop là. Alors, on va remettre. Ah, bah oui, j'ai plus de blé. Forcément, je viens de les vendre. Alors, c'est parti. On va aller se récolter un tout petit peu de blé. Et vous voyez, ça pousse vraiment à une vitesse hallucinante, par contre. Alors, y a pas... vous avez pas le temps de traîner, en fait, parce que bah tout arrive direct, quoi. Et c'est un truc de malade. Hop. Donc, je mise tout sur les œufs pour avoir de l'argent. Parce que c'est vrai que bah, le bois, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, bah, beaucoup moins rentable, je trouve. Hop!
Allez, Coco! J'aurais plutôt dire cocotte en vrai. C'est une fille. Je suis une fille. Mais bon, c'est pas grave. Pas chercher à comprendre. Hop là! Alors, on a quasi encore 1000 en banque, écoutez. On est plutôt bien, j'ai envie de dire. Hop! Il nous reste encore de la place niveau inventaire, donc on va pas les vendre tout de suite. On ira vendre au prochain épisode, je pense. Donc, on va ramasser la pierre qui traîne tant qu'on est là. Parce que il va nous falloir de la pierre et du fer pour débloquer la prochaine île à l'épisode 3. Donc, c'est pas mal. Hop. On se casse ça tranquille ou pépère. On va aller se ramasser quelques bouts de fer. Alors, vous voyez, vous visez le bloc là qui apparaît, là, le truc blanc. Et vous obtenez du fer. Donc, c'est plutôt cool. Faut cliquer plusieurs fois, mais bon. Ça commence à être de mieux en mieux, on va dire. Donc là, vous voyez, on a entendu le bruit de la pierre qui réapparaissait. Et là, on a les deux pierres qui sont là. Hop, on ramasse vite fait tout le fer qui traîne là. Comme ça, on aura ce qu'il faut pour le prochain épisode. Ça, on pourra commencer directement par l'achat de la deuxième île. Enfin, la deuxième. Non, la cinquième, du coup. Non, ouais, si, la cinquième. Parce qu'on en a débloqué trois, plus la première. Donc c'est ça, cinquième. Donc ce sera la quatrième qu'on achète, quoi. Hop, donc vous voyez, il y en a vraiment partout du fer, donc faut vraiment vous promener avec votre souris pour pouvoir viser correctement. Faire attention de ne pas tomber dans le vide, même si vous tombez dans le vide, vous perdez rien. Parce que moi, je suis morte plusieurs fois comme ça. Parce que je reculais et que je regardais pas derrière, quoi. Parce qu'en fonction de l'angle de vue de la caméra, on voit pas forcément très bien. Hop. Alors, il y a vraiment pas mal de fer, vous voyez, ça réapparaît de façon constante. Donc c'est plutôt bien. Hop là! Allez, Coco! J'ai envie de vous faire la chanson Chéri Coco, mais bon. On va dire que c'est un peu nul, quoi. Je pense. Un petit peu. Un petit peu nul. Ah, vous voyez, j'ai déjà 14 sphères. Et on n'a pas mis tant de temps que ça, en vrai. Hein. Donc, on va aller ramasser la pierre qui traîne. Et les derniers œufs qui traînent avant de se quitter, histoire de d'avoir un EP vraiment rentable. Et comme ça, au prochain épisode, on débloquera l'île suivante, on l'upgradera, et on verra si on commence à acheter l'autre ou pas. Alors, tac, 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 tac. On va aller voir nos petits poulets qui n'ont plus à manger quasi. On remplit bien les petites mangeoires. On récupère nos petits cocos. Donc là, 32 max niveau stockage. Hop. Donc on est bien. Vous voyez, ils pondent constamment. C'est un truc de ouf. Alors. Et ben voilà. Je vous laisse ici pour cet épisode, les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve au prochain épisode. A bientôt. Ciao, ciao.